Issu de la haute société montpelliéraine, cousin des peintres Eugène Castelnau et Frédéric Basile, Max Lénard se forme à l'école des beaux-arts de sa ville natale avant d'être admis en 1877 dans l'atelier d'Alexandre Cabanel à Paris. Il expose au salon de 1885 une grande toile au sujet intimiste intitulée « Entre nous », peinte l'année précédente. Lénard choisit de représenter un couple formé par un artiste et sa femme. Le peintre tend un bâtonnet de graphite vers l'espace vierge de la feuille, situé au centre exact de la composition. Dans le cadre d'un atelier au décor dépouillé, une plante exotique, un moulage de buste antique ainsi qu'un paravent japonisant, l'un et l'autre semblent tendrement s'interroger sur les choix à faire pour représenter l'enfant. Mettant en scène son propre travail de peintre, Lénard donne dans son exécution la teneur de sa réponse. Concilier la justesse du dessin venu de sa formation académique avec la lumière naturelle héritée de Manet.